19h à Kinshasa, madame, monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal que nous démarrons par ce communiqué. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du dimanche 7 novembre 2021 aux environs de 22h, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de Tchanzu et de Runyonyi avec l'intention de mener d'autres actions de déstabilisation dans le territoire de Rutshuru et d'ailleurs dans cette même province déjà dans les jours du 12 au 21 juillet 2020, le M23 avait attaqué sans succès les localités de Bigenga, Diza et Mikengi dans les environs de Tchanzu dans la province du Nord Kivu en janvier 2017. Ce même mouvement avait été défait par les FARDC dans sa tentative infructueuse d'attaquer le mont Sabinho, Visoke et Karisimbi en territoire de Rutshuru. C'est un communiqué signé le chef d'état-major des FARDC. Et puis les activités du président de la République, la RDC se prépare à organiser les 9e Jeux de la Francophonie, un événement mondial de taille. Le comité national d'organisation, qui travaille pour sa réussite a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose de suivre cela dans ce reportage. Le 9e jeu de la francophonie auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en août 2022. Pour ce faire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mardi 9 novembre dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine la nouvelle équipe récemment nommée. Conduit par son directeur national Isidore Nwanjangembo, le comité national du 9e jeu de la francophonie en RDC est venu présenter au chef de l'État le plan de travail de ce grand événement mondial qui se tiendra à Kinshasa. Isidore Nwanja dit avoir reçu du président de la République Félix Tshisekedi et du gouvernement Samalou Kondé un soutien ferme, mais aussi tout le moyen nécessaire pour réussir cet événement. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et de directeur de cabinet du président de la République Guilain Nyembo. On va rapidement mettre en place des équipes. On va travailler avec les professionnels, on va travailler en collaboration avec l'OIF qui va nous détacher des spécialistes pour que nous puissions avancer rapidement. Et puis le gouvernement, tout le gouvernement est très impliqué dans l'accompagnement pour que nous puissions rapidement organiser ce jeu comme il a été prévu. C'est un événement important pour la RDC et c'est pour nous une occasion de montrer au monde entier que nous avons la capacité d'organiser des événements internationaux. Et que si nous réussissons à organiser ces jeux de la francophonie, nous aurons la possibilité demain après-demain de prétendre organiser par exemple la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Donc c'est un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement économique parce qu'il y a des retombées économiques. Nous sommes confiants parce que les autorités sont confiantes. C'est depuis ce lundi 9 novembre 2021 que cette nouvelle équipe dirigeante a pris la commande de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC. En justice, le Conseil d'État a effectué hier sa rentrée judiciaire, une cérémonie organisée en présence du magistrat suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son adresse, le premier président du Conseil d'État, Vundaoué Tepe Mako, est revenu sur les pesanteurs qui entourent l'exécution des arrêts rendus par le Conseil d'État. C'est un reportage de Patrick Michel Mkou. Après la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation il y a quelques mois, c'était au tour ce lundi du Conseil d'État de lancer sa rentrée judiciaire. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République a personnellement assisté à cette audience solennelle et publique de la juridiction considérée comme la plus haute de l'ordre administratif. Le Conseil d'État et l'ensemble des juridictions qu'il coiffe s'inscrivent irrémédiablement dans la logique de la politique de restauration de l'état de droit, socle de la justice comme inscrit dans la droite ligne de la vision du magistrat suprême et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son discours axé sur le thème « Le référé en contentieux administratif congolais »,
le premier président du Conseil d'État fait la lumière sur cette innovation qu'est le référé, qui est donc une procédure organisée devant le juge administratif. Le référé est en fait conçu essentiellement pour relativiser les effets du privilège du préalable attaché aux actes de l'administration. Il permet ainsi d'éviter aux administrés et autres partenaires de l'administration les conséquences dommageables difficilement réparables à la longue des décisions de l'administration, a précisé le professeur Félix Vondoa au TP Makou. Le référé administratif est une nouvelle matière en droit congolais. Il faut l'admettre que la plupart de nos juristes ne maîtrisent pas encore cette matière. Pour mettre fin à cette pratique constatée dans le comportement de certains hauts responsables de l'État, le Conseil d'État sollicite du magistrat suprême le détachement d'une unité de police judiciaire de parquet près les juridictions de l'ordre administratif pour l'accompagner dans sa noble et pénible tâche de veiller au respect de l'exécution des décisions de justice. Dans sa mercuriale, le procureur général près le Conseil d'État, Octave Telaziela, a un peu plus tôt exposé longuement sur l'historique et les types de référés avant de les développer et analyser en profondeur. Un vent de changement est en train de souffler sur la justice du pays, a-t-il argumenté. C'est d'une part un immense honneur pour les juridictions de l'ordre administratif, particulièrement pour le Conseil d'État et le parquet général y rattaché, et d'autre part un motif de légitime fierté pour ces animateurs en qui vous avez placé votre confiance au fin d'atteindre les assignations d'une justice administrative juste et équitable, un des piliers majeurs du processus de l'émergence, de la consolidation de l'état de droit que vous ne cessez de prôner depuis votre avènement à la magistrature suprême. Avec le Conseil d'État et à la suite de l'éclatement de la Cour suprême de justice, la République démocratique du Congo a fini par se doter 50 ans après d'une nouvelle Cour suprême pour juger les litiges opposant d'une part les citoyens avec l'administration et d'autre part les administrations entre elles. Cérémonie terminée, le chef de l'État quitte l'hémicycle, mais son cortège ne fera pas 200 mètres avant de s'arrêter de nouveau juste en face du Palais du Peuple. Attiré de regard par la ferraille qui prend de la hauteur au chantier de construction du futur centre culturel et artistique, Félix-Antoine Tshisekedi a décidé de voir de visu l'évolution de travaux qu'il a personnellement lancés il y a plus d'un an. Première étape de sa visite, la salle de réunion où il recevra des explications sur l'évolution des travaux ainsi que les difficultés rencontrées. La crise de la Covid-19 a très largement impacté le travail sur le chantier, exécuté à 50%. Les travaux ne prendront fin qu'en septembre 2023, a laissé entendre le chef du projet. Avant d'entamer la visite proprement dite, le président de la République a approché les ouvriers congolais à l'œuvre sur le chantier, question d'en savoir davantage sur leurs conditions de travail. Le chef de l'État a donné sur les champs des instructions pour pallier les difficultés exposées. Sur ce site, sort progressivement de terre un centre culturel et artistique de référence en Afrique qui abritera une salle de spectacle moderne et plusieurs autres bâtiments pour l'Institut national des arts pour un coût estimé à 100 millions de dollars américains. Sécurité à présent, le chef d'état-major des FARDC a visité les sites où seront cantonnées certaines unités des FARDC. Juste après, il s'est entretenu avec les membres de la société civile du Nord Kivu sur la situation sécuritaire de l'heure. Chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo en ville de Beni a été très surchargé. Le général d'armée Mbala Mousse et ses Célestins a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Ouicha, ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons Kanin situé au camp Chikotitamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment les forces vives,
la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximens moto, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter les routes d'intérêt national et mettre fin aux embuscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisque quand même, on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer surtout la route des terrains nationaux, puisque ça nous tue vers en bas. On ne sait pas progresser, puisqu'il y a beaucoup de terrains sur la route. Et on l'a demandé, il nous a promis qu'il va faire des sommiers. À l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison des Beni, constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un mess des officiers et autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Mbalamou Cécé Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utiliser bien ce matériel à bon escient, en veillant à ce qu'il soit bien entretenu pour une durée assez longue. Notons que le séjour du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Beni depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, a animé un point de presse à Bruxelles. Sur place, le porte-parole du gouvernement a répondu à une question relative à la désignation de Denis Kadima comme président de la CENI. Suivez. Je crois que la charte de confession religieuse prévoyait comme premier mécanisme le consensus. Et lorsque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord à travers les consensus, vous procédez par élection. Et il s'est dégagé qu'il y avait un bloc de 6 qui a soutenu un candidat sur lequel l'Église catholique disait qu'il y avait des soupçons de corruption qui n'ont jamais été étayés. Mais simplement, moi j'ai entendu quelque chose que je trouve particulièrement dangereux, de relier Kadima au président de la République parce qu'ils sont de la même province. C'est une forme d'exacerbation de la question tribale, et pour un pays comme le Congo, c'est une pratique qu'il faut dénoncer. On ne l'a pas dit, mais le candidat qui a été porté par l'Église catholique est originaire de l'ex-province de l'Équateur. Le révérend Bokundo est de l'Équateur. Le cardinal Ambongo est de l'ex-Équateur. Mais pourquoi on n'a jamais fait une telle forme d'allusion où on n'a pas voulu relier les deux par une proximité provinciale? C'est très dangereux. Encore que pour que Kadima arrive là comme choix, il y a eu un processus en interne. Pourquoi on ne met pas en valeur l'aspect managérial ou le profil du candidat? Parce que c'est finalement ça qui a conduit à ce qu'il soit même retenu dans les tri qui avaient été faits au départ. Et sur cette question, après, les prêtres sont dans le droit d'exprimer leur mécontentement sur un processus qui n'a pas bien fonctionné. À Glasgow, en Écosse, les minerais comme pilier stratégique dans la transition écologique, c'est le thème de la première journée Side Event organisée par la République démocratique du Congo à la COP 26. C'était sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba. Eve Bazaïba suivait ce reportage de Néné Mainzana et René Nguango. La République démocratique du Congo vient de tenir son premier side event à Glasgow avec un message pays solution au centre de l'événement, les minerais, comme un pilier stratégique dont la transition énergétique a relevé la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et le Développement durable, Eve Bazaïba. La transition énergétique, un volet d'adaptation au changement climatique. Nous avons vu les antennes potentielles forestières de notre pays
potentiel hydrographique et le potentiel minier. Dans le cadre des luttes contre le changement climatique, nous savons qu'il y a deux stratégies qui ont été mises en place par les scientifiques. Nous avons l'atténuation et l'adaptation. Dans le cadre des atténuations, la communauté internationale a opté pour une transition énergétique, c'est-à-dire que l'adoption des technologies propres, des technologies décarbonisées. C'est dans cette optique que le ministère des Mines s'est dit, à travers le gouvernement congolais, que, écoutez, la communauté internationale, nous avons des potentiels miniers. Tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour faire cette transition énergétique, la fabrication des véhicules électriques, la fabrication des batteries au lithium et à ion, nous avons tous ces minéraux et nous présentons à la communauté. Mais nous avons certaines difficultés sur les plans financiers, sur les plans technologiques. C'est pourquoi nous sommes venus ici présenter ces aspects à la communauté internationale pour pouvoir accompagner le gouvernement congolais dans l'extraction, la mise en œuvre et cette transition à une économie décarbonisée. Et pour sa part, le ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, a participé à la réunion virtuelle de briefing avec le département fondamental de l'Alliance 8.7 organisée par l'OIT à Genève en Suisse. Selon les dernières estimations mondiales, 152 millions d'enfants sont astreints au travail des enfants, surtout dans le secteur des mines. C'est ce que nous dit William. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi-Mwakembe, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo au niveau international dans le cadre de l'OIT, Organisation internationale du travail. La République démocratique du Congo, pays pionnier de l'Alliance 8-7, a par son billet réitéré son engagement à œuvrer inlassablement pour l'élimination des pires formes du travail des enfants d'ici à 2025, conformément aux objectifs de développement durable ODD adoptés par les pays membres de l'OIT. C'était à l'occasion de sa participation depuis son bureau de travail à Kinshasa-Gombe, lundi 8 novembre 2021, en direct de Genève, en Suisse, à la réunion virtuelle des briefings avec le département fondamental sur l'alliance justement 8-7 visant à mettre fin au travail des enfants, au travail forcé, surtout dans les mines artisanales. Le numéro 1 de l'emploi a à cette occasion fait savoir que le gouvernement de son pays, sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, met déjà en œuvre un certain nombre d'actions significatives, notamment l'exécution du plan d'action national 2012-2020 et de plan sectoriel. Le numéro 1 de l'ETPS a rappelé que la mesure de l'application effective de la gratuité de l'enseignement fondamental en 2019 a permis de récupérer 4,5 millions d'enfants dans le système éducatif congolais, soit 2,5 millions en 2019-2020 et 2 millions en 2020-2021. Et en politique, la jeunesse de l'UDPS Kikwit a salué chaleureusement l'un des cadres du parti, Nana Manuanina. La ministre près le président de la République a échangé avec cette frange de la population sur des sujets d'actualité brûlante. Jacques Kabouabasedouga. À Kikwit, où elle a séjourné dans le cadre de la campagne de l'unité et de cohésion nationale, la ministre après le président de la République, Nana Manonina Kiumba, a échangé avec la jeunesse de cette ville. Ce sont surtout les jeunes membres de l'UDPS qui se sont exprimés par une volonté de voir cette combattante de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique du parti présidentiel, superviser la rencontre que personne ne veut pas rater. La jeunesse de l'UDPS Kikwit en a profité pour faire une démonstration de force par une mobilisation de ses combattants. Nana Manonina Kiumba s'est rassurée que l'UDPS a ses lettres de noblesse dans cette partie de la province de Kwilu. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation. C'est en substance les messages de la ministre Manuanina à la jeunesse de Kikwit. Le constat est sans équivoque, car cette visite politique était très bénéfique pour la jeunesse et riche d'enseignement. Il fallait donc requinquer tous ces collégionnaires de Jean-Marc Kabund Akabund et Augustin Kabuya en leur rassurant que la République démocratique du Congo ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais, derrière les garants de la nation,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. La ministre Manouanina a félicité la cellule de base IDPS Kikwit. Elle leur a encouragé à travailler davantage en recrutant de nouveaux combattants afin que cette partie du territoire national soit totalement acquise à l'idéologie du chef de l'État, le peuple d'abord. Enseignement supérieur et universitaire, après les états généraux, le ministre de l'ESU, Muindo Nzangi, a ouvert l'atelier d'élaboration d'un nouveau programme LMD. La cérémonie a eu lieu à l'ISC Gombe. C'était en présence des professeurs, directeurs généraux et recteurs des établissements d'enseignement supérieur Edith Chalakatala. À quelques mois de la nouvelle année académique, année dite des réformes, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Muindo Nzangi, et les acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire s'activent pour que les décisions déjà prises en fonction des résolutions des États généraux soient d'application dès l'année prochaine. C'est dans ce sens que le ministre Muindo Nzangi Butondo a procédé lundi à l'ouverture de l'atelier de stabilisation et de consolidation des listes, des filières et TFC pour l'élaboration des maquettes de formation du format LMD en République démocratique du Congo. Donc c'est la suite des états généraux. Vous savez que nous avions pris l'option de généraliser les LMD sur toutes les filières. Et donc le travail qui commence aujourd'hui, c'est le travail de réflexion par des task forces curriculaires que nous avons mises en place pour qu'ils puissent nous donner le programme. Je crois que c'est le résumé de ce travail ici. Et c'est un travail qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. C'est un travail qui va continuer pendant pratiquement un mois. Mais ce travail, c'est une grande réflexion pour que notre pays puisse disposer des nouveaux programmes. Devant plusieurs professeurs réunis pour cette occasion à l'ISC Kinshasa, le ministre Muindo Nzangi a signifié que cet atelier entre dans la suite logique des travaux des États généraux. Toujours dans le cadre de l'enseignement supérieur et universitaire, je vous propose de suivre cet élément que nous propose la réalisation. L'opportunité s'offre aux élèves du secondaire de la République démocratique du Congo. Il s'agit des formations pré-universitaires UWC dans 18 collèges à travers le monde. Durant une journée, les participants ont été conviés à une rencontre d'échange d'informations afin de permettre aux parents d'accompagner leurs enfants dans la scolarité et se saisir de leur rôle spécifique et complémentaire à celui de l'institution scolaire. Au menu, les enjeux liés à l'orientation, les fonctionnements du programme de sélection UWC Global et les diplômes du baccalauréat international LIB. Aujourd'hui, nous avons lancé officiellement UWC dans la ville province de Kinshasa et nous avons fait le lancement officiel de la nouvelle sélection 2022-2024. Par la même occasion, j'aimerais profiter de lancer un appel de fonds à toutes les autorités de pouvoir aider nos enfants congolais qui sont sélectionnés, que ces derniers puissent recevoir des donations de leur part. Dans le cadre de ces programmes de sélection globale internationale, plus d'une vingtaine d'élèves congolais se retrouvent déjà dans les différents établissements de cet internat planétaire disséminé sur les 5 continents. Avec pour mission l'effet de l'éducation, une force qui réunit les peuples, les nations et les cultures afin de construire la paix et un avenir durable. Pour suivre le cursus universitaire ici ou ailleurs par les finalistes des humanités, quels en sont les critères? Eh bien, les jeunes engagés pour le développement durable répondent à cette question au micro de Yolande Voka. La problématique d'évaluation du système scolaire congolais a pris des allures ascendantes. Les élèves doués, voire surdoués dans le parcours scolaire sont souvent surpris de résultats à la publication des épreuves de l'examen d'État. Comment expliquer cette question et quels sont les critères d'éligibilité pour obtenir un pourcentage qui corrobore avec ses capacités intellectuelles? Le coordonnateur de l'ONG JED des jeunes engagés pour le développement durable, Yves Makouba et Balansim, revient sur ces phénomènes. Un élève qui brille avec 70%, 80% dans toutes les classes, par exemple, ou à la classe terminale, mais à l'examen d'État, il obtient moins de 60%. Parce qu'il est vrai, les pourcentages obtenus aux examens d'État, dans la plupart des cas, nous sommes acteurs de l'éducation depuis très longtemps, ça ne corrobore pas avec la réalité sur la pratique de l'enfant. À quand les JEDD interviennent dans l'acquisition de connaissances pour une formation à l'étranger?
Nous sommes un bureau de représentation de l'Université internationale de Chypre. Des facilitations de voyage d'études à l'étranger avec des bourses partielles. Ceux qui ont un diplôme avec 50%, ils sont éligibles pour une bourse partielle de 50%. Mais lorsque vous avez un diplôme plutôt avec plus de 60%, je précise, vous êtes éligible pour un méga concours. Les JDD organisent justement un concours ce 21 novembre 2021 à la faveur de la jeunesse pour une formation à l'étranger. Les latrines de l'EP1 et EP2 de l'Institut Bamoyo ont été réhabilitées. Je vous propose de suivre cela en images. Longtemps restées dans un état de délabrement avancé, les latrines collectives de l'EP1 et de Bamoyo des Bandal répondent dès maintenant aux normes d'hygiène. Un ouf de soulagement pour les élèves qui vont désormais mieux se protéger contre les infections et l'apparition des maladies infectieuses, ce qui rassure également leurs parents. Ces élèves qui étudient en double vacation ont dit toute leur gratitude à la bienfaitrice pour ces gestes qui vient améliorer les conditions d'études. Dans la même veine, l'autorité municipale n'est pas restée insensible à cette assistance. L'hygiène, c'est la clé, la santé d'un être humain. Au jour d'aujourd'hui, ils sont dans des conditions décentes que je suis très très content. Des fournitures, des santé essentielles, composées notamment des cache-nez, des savons, des désinfectants à base d'alcool ont été livrés. En plus, des craies blanches pour tableaux, des papiers duplicateurs, des J et tant d'autres biens encore qui ont été fournis. Dans le cadre de la vision du chef de l'État, nous devons tous nous prendre en charge. Bien encore également, à travers la charte de notre parti, l'esprit de famille est imprégné justement par la fourmi, la solidarité. Nous ne pouvions que répondre à ces besoins qui s'est fait sentir au niveau de cette école. À travers cette action louable, Maître Paul Njunga, président de la dynamique portant son nom, vient contribuer à sauver la santé de ces jeunes élèves, la commune de Bandalungwa. En santé, la grève du personnel non médecin et administratif à Idiofa dans la province du Kwilu porte un réel préjudice sur la santé des populations. Le nombre de décès va croissant. L'intersyndicale du territoire d'Idiofa en appelle à l'autorité pour mettre fin à cette grève qui paralyse le secteur de la santé. Jean-Pierre Ndolo-Demazon. 195 décès enregistrés, c'est la conséquence du manque de suivi des malades hospitalisés à Idiofa. Ajouté à ce drame, le calendrier vaccinal de l'enfant et de la femme enceinte qui n'est pas respecté, les activités de monitoring des données dont les bureaux centraux sont paralysés. Les conséquences de la grève du personnel non médecin et administratif du secteur de santé sont néfastes sur toute l'étendue du territoire d'Idiofa, comme le témoigne l'intersyndicale du territoire d'Idiofa. Nous réclamons d'abord beaucoup des infirmiers que vous voyez ici n'ont pas de prime de risque, beaucoup d'infirmiers n'ont pas de salaire, travaillent jour et nuit, n'ont pas de salaire, raison pour laquelle on a dit trop c'est trop. C'est pourquoi aujourd'hui on a dit qu'on marche pour que l'État puisse trouver une solution urgente. Depuis que nous avons commencé la grève, nous avons enregistré déjà plus de 195 décès dans les territoires ici. Un mémorandum a été remis à l'administrateur du territoire d'Idiofa qui a promis de le transmettre à la hiérarchie. Bien avant, une marche pacifique encadrée par la police a été organisée par l'intersyndicale. Question d'attirer l'attention de l'autorité sur le danger qui guette la population en cas de poursuite de la grève. De l'hôtel de ville de Kinshasa à la Croix-Rouge urbaine de Kinshasa s'établit un lien de collaboration, lequel lien était passé en revue lors d'une séance de travail entre le ministre provincial de l'Environnement avec le président de la Croix-Rouge ville de Kinshasa. C'est un reportage de Jolie Kitoumoua et Simon Kankolongo. Le travail a permis aux deux personnalités, le ministre provincial de l'Environnement et le président provincial de la Croix-Rouge urbaine de Kinshasa, de dégager les axes principaux de la collaboration entre les deux parties dans le volet de l'assainissement et de la protection de l'environnement dans la ville-province Kinshasa. On sait que la Croix-Rouge fait beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses. Nous avons des défis dans la ville et comme dit le gouverneur, Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan. C'est un état d'esprit
qui veulent que nous puissions changer de mentalité et ça touche toutes les couches. Et donc je pense qu'à partir du moment où ce grand pas est fait vers la ville, nous la saisissons au bon et nous tâcherons de travailler dans le but de faire de cette ville une mégapole attractive, rayonnante, résiliente. Si on confie aujourd'hui la ville province de Kinshasa à la Croix-Rouge qui a des techniciens à ce niveau-là, des licenciés, des gradués, ils vont prendre des ordures, ils vont recycler, ils vont produire des composts. Des composts, c'est au même titre que les engrais chimiques. Mais la seule différence, c'est que les composts, vous mangez les bio. La séance de travail s'est clôturée sur une note de satisfaction des deux interlocuteurs, le ministre provincial de l'Environnement et le président de la Croix-Rouge Kinshasa, qui se sont séparés sous des promesses d'élaboration de projets à court et long terme dans le secteur de l'environnement qui touche l'assainissement. Nous allons terminer ce journal par une note musicale. Les artistes de Saint-Pétersbourg de la Russie ont livré un concert le week-end dernier à Kinshasa, ce qui rentre dans le cadre de la coopération RDC-Russie, nous dit Nadine Yango. Une musique exotique qui a captivé les Congolais, habitués à la rumba, 12 chansons russes, du vrai classique interprété par des artistes musiciens venus de la ville de Saint-Pétersbourg ont été exécutés avec Maestria, André Telkov, pianiste de renommée internationale, et Elisabetta Zouchenko, violoniste. C'était au cours de ces concerts hors du commun organisés par la représentation diplomatique de la Fédération russe en République démocratique du Congo. Une soirée ponctuée des sonorités russes qui a réuni plusieurs personnalités du monde politique et culturel, parmi lesquelles la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Yeloumoulop. La culture russe s'exporte bien, a reconnu les diplomates russes en poste à Kinshasa qui prônent le brassage de culture. C'est le troisième concert que l'ambassade de la Fédération de Russie organise à Kinshasa. Nous entretenons des contacts très étroits avec le ministère de la Culture de la République démocratique du Congo afin de réaliser l'approchement de nos deux pays, surtout dans le domaine de culture et pourquoi pas dans le domaine du cinéma aussi. Un moment d'évasion musicale qui a eu pour cadre le Pullman Hotel de Kinshasa. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous séparer, sachez que la grande famille de la radio-télévision nationale congolaise, dont ses différentes composantes, a rendu un hommage à l'un de ses grands animateurs à l'Esplanade, Maman Angibi. Il s'agit du coordinateur de la RTNC de André Jacques Nyangilelo, que la mort a arraché à l'affection des à l'âge de 70 ans, que son âme repose en paix. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 20h, Patrick Michel Moukoui. Au revoir.